Alors, j'étais là à Zurich pour faire un concert et tout le monde me disait « Mais il faut aller voir les saisonniers, il faut aller voir les saisonniers. Il faut aller voir les saisonniers. » Je pensais « Mais qu'est-ce que c'est des singes qu'on va au zoo regarder les saisonniers ?» Et on est allé regarder les saisonniers. À Zurich, uno mi dice « Vieni dagli stagionali, andiamo, andiamo a trovare. » Come ci vedono arrivare, se ne vanno mentre stavano a parlare. Eccoli, dice uno stagionale, se ne vanno mentre stavano a parlare. Siamo italiani, vi vogliamo salutare. Italiani sì, ma di un'altra razza. Scusatelo un po' matto, scusatelo signora, prego accomodatevi signora. Scusate la baracca, scusate i letti sfatti, scusate la miseria mia signora. Buongiorno e buonasera, e come ve la passate? Grazie, è tutto a posto, è meglio che ve ne andate. Buongiorno e buonasera, tornate per votare. Siamo tornati a Pasqua, non si può più tornare. Buongiorno e buonasera, vi volevo salutare. Vi siamo molto grati, ma è buio e dovete andare. Piange vecchio solo, piange vecchio solo. Maria, dica, dona un po', dona. Italia, quando sei lunga, Italia, quando chiese, sempre tiro in scherzo male, però fuori o male. Una donna senza casa, senza figli, senza sposo, il coraggio nelle mani, è una donna senza guardiani, une femme sans époux, sans fils, sans maison, le courage dans ses mains, c'est une femme sans gardien, elle fait peur, elle fait peur, elle fait peur, fa paura, fa paura. Sapere, io ho ancora da dire, non posso, non voglio, non posso, non voglio morire. Ulrike Meinhof, assassinata nella Germania, che salva il dollaro e salva la lira, semina ancora l'acciaio, la morte, la tortura. Depuis une vingtaine d'années, Giovanna Marini, moitié romaine, moitié calabraise, parcourt l'Italie de long en large. Pendant longtemps, elle a chanté seule ou avec ses enfants. Aujourd'hui, elle partage son camion et la scène avec trois compagnes, comme elle les présente dans ses programmes. Auteur-compositeur, Giovanna Marini propose à la fois un retour aux origines du chant populaire et la recherche d'une musique nouvelle liée à la vie contemporaine qu'elle raconte et chante comme autrefois le faisaient les cantastorie, les conteurs d'histoires qui passaient de village en village. Parfois, profitant d'une étape, elle retourne à la musique classique dont elle fut nourrie. Thank you.
Avec Segovia, tu as étudié longtemps? Longtemps. J'ai étudié 2-3 ans. Et tu arrives? Et tu es arrivé à un diplôme ou tu n'as rien eu? Oui, oui. J'ai le diplôme du conservatoire. Je suis le premier diplômé du conservatoire dans la guitare classique. Et le diplôme, je l'ai pris au conservatoire de Santa Cecilia. Segovia, c'était le cours de l'Académie Chigiana à Siena. Et c'était un perfectionnement. J'ai fait 3 ans. On n'avait pas de diplôme. On pouvait continuer toute sa vie à se perfectionner. Et en passant où tu es passé ensuite, tu n'as pas eu l'impression de trahir un peu Segovia? Segovia? Oui. Non, pas pour la fête musicale, pour la fête de micro. Parce que lui, il aurait, je ne sais pas quoi fait, s'il voyait que je jouais avec un micro devant moi. La guitare doit être jouée seule, sans micro, parce qu'on ne peut pas dire « Ciao, ciao Gemma, poi vengo ». On ne peut pas dire que c'est un instrument qui n'a pas de son. C'est un absurde, un sacrilège. Tandis que moi, je jouais avec le micro parce que on ne l'entendait pas. Mais pour d'autres côtés, non, pas trahi, absolument pas. À ses débuts de 1959 à 1961, Giovanna Marini fait partie d'un ensemble d'instruments anciens, les Solistes di Roma, avec lequel elle parcourt les capitales européennes. Simultanément, elle s'intéresse au mouvement italien de découverte du folk. C'est que dans la musique classique, que j'aimais beaucoup, je m'ennuyais un peu. Hein. Tandis que quand j'ai connu Giovanna Delfini, le monde de l'Instituto Ernesto De Martino, que je ne connaissais absolument pas, je venais d'une famille de musiciens classiques, du conservatoire, de la musique classique. Tu sais, ça a beaucoup de classe et de privilèges, n'est-ce pas? J'ai connu ces gens-là et ils étaient merveilleux, vivants. Giovanna Delfini, qui m'a appris à chanter, c'était une lisière, toute sa vie elle a chanté l'histoire. Les petits faits que mis l'un après l'autre font l'histoire, n'est-ce pas? Quand j'ai connu Giovanna Delfini, sa voix, sa façon de chanter, j'ai dit, mais ça c'est l'avant-garde musicale, c'est beaucoup plus vivant et intéressant, je veux faire ça. Et je suis passée de l'autre côté, de l'Alta Italia. Era il 63. Quando tout d'un coup nous avons dit sortons d'ici, usciamo dai ghetti, allons parmi les gens, leur faire écouter tout ça, c'est important, allons dans les grands théâtres de la bourgeoisie payante. Et nous sommes arrivés à Spoleto, le festival des deux mondes. C'était beau. Participant au festival de Spoleto, le Nuovo Canzoniere Italiano, un groupe auquel Giovanna Marini a adhéré, fait parler de lui à la télévision à une époque où celle-ci est encore la chasse gardée de la démocratie chrétienne. Le présentateur révèle ainsi à des millions de téléspectateurs l'existence de chants du travail et d'amour, de contestation et de lutte, de guerre et de résistance. En particulier, le célèbre Bella Ciao à la gloire des partisans des années 40. Famoso fra tutti, Bella Ciao, che dà appunto il titolo a tutto lo spettacolo. Mi diranno che è meglio, che questo è il fiore del partigiano. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 questo è il fiore del partigiano. Quanto bella libertà, e questo è il fiore del partigiano. Quanto bella libertà. Nous sommes arrivés. On a commencé à chanter. Après une vingtaine de minutes, la belle bourgeoisie payante n'en pouvait plus. Et une voix, nous chantions « Traditori, signori ufficiali ». Poi la guerra l'avete voluta, scannatori.
disait: traître, vous, messieurs les officiers, qui la guerre vous l'avez voulu. Vous avez rempli de sang l'Italie et vous avez tué tous les jeunes qui étaient vendus à sauver une patrie qui ne nous appartient pas. Voilà une voix qui se lève et qui fait « Vive l'Italia !» Et une autre voix « Vive gli ufficiali !» « Vive les officiers !» Le directeur de scène. Le directeur du théâtre qui n'était pas usé à ces choses-là, il était habitué à Goldoni, ces choses-là, Brecht, oui, mais pas cette bagarre, n'est-ce pas? Il a baissé le rideau de fer qui est tombé sur nos têtes, mais... Les paysans de Piadna qui n'étaient pas habitués à chanter avec un rideau de fer sur la tête l'ont soutenu. Alors il semblait, le Ercole qui soutient le Tempio, je ne sais plus, n'est-ce pas, Sansone, ces choses-là. Et nous, tous à chanter tout ce qu'on avait à dire, vite, à tout plein de voix de choses. Et le metteur en scène qui avait fait une si belle mise en scène. En haut, dans le loggione, il y avait tous nos amis. La famille de Giovanna, ça faisait 50 personnes. La famille de Piadena, tout le pays de Piadena. Ils n'ont pas aimé ça. Et ils ont jeté en bas les sièges, les chaises. En bas, ils n'ont pas aimé ça. Mais en regardant en haut, ils regardaient en haut et ils chantaient immédiatement « Giovinezza, giovinezza ». En haut, ils chantaient comme ça « Bandiera rossa, bandiera rossa ». À moitié, on chantait « Fratelli d'Italia ». Il y avait tout. C'était une topographie parfaite. Je pensais, voilà, tout est très clair, non? C'était pas assez clair. Une dame, la première, qui avait crié « Vive l'Italie », s'est levée debout et elle a crié « J'ai pas payé 2000 lire, 1964, hein, c'était assez 2000 lire, pour venir ici écouter sur le plateau chanter « Ma femme de chambre ». S'est regardée comme ça, mais Giovanna Daffini n'a regardé aucun, elle a fait comme ça, elle a marché sur la comtesse. En rétablissant immédiatement cette distance culturelle, séculaire qu'elle avait, qu'il y avait entre elle et la comtesse, et que nous, peut-être inadvertitement, nous avions compromis. Tandis que la droite italienne crie au scandale, la gauche se mobilise. Spoleto occupe la une de tous les journaux pendant plusieurs mois. Pour Giovanna Marini et le nuovo canzoniere italiano, que les tribunaux menacent mais que 800 policiers viennent protéger, la publicité est inespérée. Une expédition punitive de casseurs néo-fascistes ne réussira pas à bloquer le spectacle. Giovanna Marini va continuer inlassablement à raconter Spoleto, une bataille parmi tant d'autres. Quando a Spoleto abbiamo cantato, le voci dei morti hanno risuscitato gli ideali degli emarginati e gli spettatori saranno indignati. Era il tempo del 65, con le chitarre a forma di fucile, i ritmi veloci, i problemi precoci, il 66 con l'invasione del grande teatro, spettacolo animato e cantato, il 67 di preparazione, il 68 con l'esplosione, contesa la lotta e le riunioni e gli amici immediati, fatti nuovi già dati per scontati, il 69 salvando le conquiste nuove, con le cantate moralistiche e virtuose, spezzate mille parole d'ordine vistose, e poi il 70, 71, 72, 73, confusi, segnati dai compagni nostri che ci hanno lasciato, e poi il 74 e la benzina, ma 300 e nessuno ha fiatato. Per le elezioni, grande mobilitazione, Svizzera, Lecco, Modena, Como, Caselle, Novi, San Polo, Pietralata, Empoli, Pisa, Bari, Ancona, Tavernelle, Tavernuzza, Tavernelle, 13 di maggio, 15 di giugno, che giornate, che nottate, che cantate, poi in giro a cantare, in giro a cantare, in giro a cantare, 10, 20, 30 mila sentire, 10, 20, 30 mila a cantare, 10, 20, 30 mila a sentire, e poi. Maintenant que nous chantons en quatre, je chante avec les autres, le quatuor vocal, hein, j'ai beaucoup plus l'impression d'être comprise, parce que ce n'est pas les mots que nous disons qui entrent dans la tête, parce qu'il faut,
faut beaucoup d'exercice pour comprendre immédiatement. Je ne prétends absolument pas ça. C'est la façon, c'est le visage, la façon d'être, la façon de chanter, l'émission vocale. Alors, en quatre, ça frappe plus. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, même s'ils ne comprennent pas le sens des mots, ils ont ce sorte de poignée à l'estomac que j'ai eu moi-même. 1978, m'arrive un coup de téléphone. Un coup de téléphone. Écoute, Marine, il faudrait aller au sud occuper la terre. Hein? Et ne fais pas d'histoire, on va te payer les frais de voyage. Hein? Ne fais pas d'histoire, on va te donner un gettone di presenza. Petite chose, n'est-ce pas? On te paye le séjour. Quoi? Occupation de terre avec les frais remboursés. Le séjour payé. On part. C'était organisé par les syndicats, le Parti communiste, beaucoup de partis ensemble avec le Parti communiste, beaucoup de gens. La Costituente contadina, il y avait beaucoup de choses. Nous partons. Je dis, est-ce que vous voyez de la terre à occuper? Non. C'est très fort occupé tout ici. C'est très bien cultivé aussi. On continue. Minuit, une heure, deux heures, rien. Voilà que tout d'un coup, il faut toujours avoir de la confiance. Une voiture arrive et s'arrête près de nous. Et une voix éthique supérieure, parce qu'elle parle polonaise, nous dit « Scusi, signora, c'è mica dove l'occupation delle terre. » Et j'entends ma voix répondre « Si, come no, ci stiamo andando anche noi. » On est en train d'y aller. Et lui qui dit « Arrêtez, je vais appeler les autres. « Ancona !» Vieni, ci prosegue. 5 heures du matin, j'avais l'adresse, n'est-ce pas, de l'occupation des terres. Hein? Mais je ne la trouvais pas. Quand même, le matin, voilà, nous arrivons à 5 heures du matin devant un tableau où il y a écrit « Occupation des terres ». Et on nous donne un pot de vin, 5 heures du matin, et de la pizza. On est là, on se regarde en souriant, un peu idiot. Tous les... Il y a 25 personnes. Il y a un peu de fonctionnaires, une vingtaine, trois professeurs et des chanteurs, n'est-ce pas? Chaque fois que quelques jeunes arrivent, tout le monde fait « Ah mon Dieu, les autonomes !» Et il y a la télévision. Il y a la télévision. Le lendemain, je rentre à la maison, je suis félicitée pour la belle occupation de terre que j'ai faite. Ma mère pleure. Tout le monde en parle encore. Et nous chantons notre angoisse de ce moment-là. Parce que nous nous sommes aperçus que les faits ne font plus l'histoire. Allora che ci stiamo a fare? Les faits se font parmi l'information qu'ils en donnent de faits. Et nous? Alors j'ai dit non, non, non. Alors il faut continuer le métier de cantastorie. Parce que nous voilà, vous êtes ici, nous sommes ici, nous vous racontons notre histoire. Sinon, vous ne la saurez jamais. Quando ad un tratto senti che è finita, che la gente sta perdendo la vita. L'Institut des Martineaux à Milan témoigne de longues années de recherche ethnologique et musicale. Sapoli, sordi, puli, bene, dibu.
Il conserve des centaines d'enregistrements réalisés par tous ceux qui ont voulu sauver un patrimoine culturel en voie de disparition. Le sauver et le faire revivre en restituant sous la forme du folk les anciens chants du travail et de la lutte ouvrière et paysanne. Des dizaines de chercheurs, musiciens, sociologues ou tout simplement militants ouvriers sont remontés aux sources, faisant participer à leurs enquêtes les derniers témoins d'une époque révolue. Si, si, que l'ho ben visto, ma l'ho mai conosciu. Si, si, que l'ho ben visto, ma l'ho mai conosciu. Molto bene. Senta, questa canzone che avete cantato adesso, quando l'avete imparata? Dove l'avete imparata? In tempo di guerra, quando si spannocchiava il grano, la sera, si cantava tante canzoni. Qui a Ripalta? Sì, in questo cortile dove abitiamo noi. Questa è la vostra casa? Sì. Voi siete nate qui? Siamo nate qua. E avete sempre cantato? Sempre cantato. E continuiamo ancora a cantare tutta la vita. Ecco, proviamo a farla ancora una volta questa canzone. Sì, vorrei sì, registrarla sì. Ancora una volta dall'inizio, perché così è una bella canzone importante. Sì. Andiamo lenta alla guerra, chissà quando ritornerà. Andiamo lenta alla guerra, chissà quando ritornerà. Se io saprei la strada, andarei a ritrovar. Se io saprei la strada, andarei a ritrovar. Voilà, ici c'est une carte que nous aimons bien parce que ça décrit le travail que nous avons fait, la recherche qu'a fait l'Institut Ernesto De Martino. Vous voyez, toute la couleur des épingles qui sont foncées là-dedans décrivent la personne qui a fait la recherche ou bien le type de recherche. Le bleu, c'est le Fondo Ida Pellegrini. Vous voyez combien de bleu, c'est la recherche faite par notre camarade Gianni Bosio, qui était l'idéologue de tout l'ensemble. Puis il y a... Et il en manque aussi, hein, nous en avons fait beaucoup plus de des épingles qu'on est parvenu à foncer ici. Aujourd'hui encore, la recherche continue. À l'occasion d'une passion, par exemple, ou la revendication féministe l'emportant sur la discipline chrétienne, des villageoises occupent leur église en refusant la présence du curé. Giovanna Marini est attentive à une certaine utilisation de la voix, à une forme musicale héritée oralement d'un passé lointain.
suppléante aux limites de l'écriture musicale traditionnelle, elle a inventé une graphie qui lui permet de noter façon et mode de chanter. Elle utilisera ce matériel aussi bien pour ses créations que pour ses cours d'usage de la voix. Alors, ici, c'est mon travail à moi, que puis j'ai envoyé à Milan et nous avons recueilli dans l'archive. C'est, vous voyez ça, c'est la part qu'on appelle la Magna Grecia, ça veut dire tout près de la Grèce qui est de, vis-à-vis. Et ici, il parle grec, il y a les sorcières, et c'est là que j'ai passé une année, dans Martano, Calimera, Sternatia. C'est ici que j'ai rencontré les femmes qui faisaient le hurlement, le pleur. Elles m'ont appris ça, la plus brave à faire ça, et la plus professionnelle s'appelait Mariuccia Kiriakou, qui m'a appris même l'émission vocale. Puis j'ai fait aussi ici, en Calabria, où il y a mon pays et ma maison qui sont tout petits, ici. Ça, je l'ai appris comme si j'apprenais un autre instrument, tu comprends? Puis, il y a la passion pour l'étude, je dirais alors à ce point-là, sociologique, que je n'ai pas fait, mais quand même, par lequel on se met d'un côté plutôt que de l'autre. Et je me suis mise du côté du paysan qui n'a plus la terre ou de la mondina qui n'a plus le travail, plutôt que de l'autre côté. Suivant les circonstances, Giovanna Marini reprend les vieux airs du folklore dans leur version originale, ici pour le 8 mars, fête internationale de la femme, dont le mimosa est le symbole. Un retour occasionnel aux sources, car ce qui reste fondamental, c'est la recherche, l'imagination qui permet d'approfondir les possibilités expressives et musicales de la parole dans le monde urbain. D'un coup, voilà arriver des maçons, des ingénieurs, des architectes avec une efficience presque nordique. Ils commencent à bâtir des gros immeubles. Tout le monde reste bouleversé. Voilà que les chômeurs prennent parti aux travaux parce qu'ils s'intéressent. C'est des gens quand même, n'est-ce pas? C'est leur travail à eux s'ils travaillaient. Alors ils donnent des conseils. Il y a une femme qui se passionne aux travaux, qui dit, mettez-y la tomette, c'est mieux. Pas cette granaille que vous mettez, c'est pas bon, ça se casse avec le froid. La tomette, je sais que ça paye, ça rend bien. Voilà que les grands immeubles sont ultimati, tous les maçons, les ingénieurs, les architectes s'en vont, et dans la nuit, tous les chômeurs occupent les maisons. Et la femme des tomettes trouve son appartement avec les tomettes. Avec ses fils, son mari, elle est là, contente, au balcon, au sixième étage. Elle prend le café, le soleil, rien n'a changé, mais au moins elle a une belle maison. Mais voilà que de là-haut, elle voit venir la police pour les chasser de l'appartement. Et elle fait ça, de là-haut. « Talpa, andate talpa, papi, avvele le gambe, voglio l'ambulanza, mio marito, c'hai dolori, talpa !»
nous sommes sbalorditi. On entend tout. C'est parfait. Je dis, quel concert. Rellala, 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 sol, sol, fa, fa, mi, mi, rellala. Gamme complète. Et je pensais, nous sommes en crise. La chanson politique est finie. Il n'y avait plus le sens de faire ces chansons avec ces mots. La chanson de la campagne, où est la campagne? Où est la qualité de vie qui a produit ces chansons? C'est inutile. Et voilà que j'entends la femme. Je dis, mais bien sûr, il y a la ville. C'est comme ça. Elle semblait un saxophone. Voilà le discours musical, alors. Faut s'occuper de ça. Et c'est pas un hasard, c'est exactement dans cette année-là est née une école dans une maison occupée, l'école de musique de Testaccio, avec les plus beaux notes du jazz. Et tout le monde court là, des jeunes, et étudier très sérieusement. On fait des laboratoires, des cours d'improvisation, des cours d'études, histoire de jazz, théorie musicale, composition, instruments. Et c'est très intéressant. Je pense, voilà, la madame qui est automate, celle qui semble un saxophone, il faudrait l'amener là. Voyons un peu comme les gens usent la voix dans la ville. J'ai vu qu'ils l'usent de cette façon-là. Très doucement, n'est-ce pas, très bas. Et les enfants sont bien élevés, alors ils ne hurlent plus, ils n'ont plus de voix. Et si un enfant hurle « Maman !» Et la maman dit « Ma sta zitto, maleducato, parla piano. » Alors elle fait « Maman, 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 toujours plus bas. » Et la voix monte dans la tête. Et ça devient comme... Parce que la tête, c'est comme les religieuses, elles chantent dans la tête, n'est-ce pas? Parce que là, c'est beau, il y a l'âme et l'esprit et l'intelligence. Et dessous, il y a la viande, n'est-ce pas? Dans le quartier populaire romain de Testaccio, l'ouverture sauvage en 1975 de cette école, orientée sur la recherche et l'avenir, attire les jeunes. Près de 500 étudiants quittent les conservatoires officiels et s'inscrivent à Testaccio. Giovanna Marini dirige deux laboratoires, un de composition et d'improvisation, l'autre d'usage de la voix. Elle-même suit des cours de jazz afin d'en assimiler la structure et l'évolution. Qui facciamo l'improvisazione accordale e poi partiamo con sì dalla messa. Io voglio che voi non cambiate mai tipo di voce. Cioè deve essere sempre la bella voce libera, quella che ho sentito. Au tableau noir, la graphie inventée par Giovanna Marini afin de traduire les émissions vocales caractéristiques de la chanson populaire. Di palato, yeah. Spinta di palato verso l'alto, spinta di palato verso il basso, melisma che si fa tutto con l'ugola, mento come? Sciolto, assolutamente, lo snodo è qua, poi salita e discesa, salita e discesa, sempre spinte di diaframma, fortissima, questo invece è diverso, qui la voce non è più come tutte in queste altre precedenti fasi dove era così, cioè di palato, una voce spinta in alto, ma questa è spinta indietro. Si chiama falsa voce per gli uomini, portata all'acuto, è il falsetto. Le donne non hanno il falsetto. Qui mi trova. Oh!
invece era all'aria la. Fate un po' quell'emissione là. All'aria la. La differenza di emissione, eh? Quella è importante. Sentite, mo ci vediamo mercoledì quest'altro allora. Ma dopo il marito le consegna le strade le, l'amore non si taglia le strade le, l'amore non si taglia. Sortì dans le terrain pour la classe d'usage de la voix. Son but, un groupe de cantastorie de la région de Terni qui vont se livrer à une joute poétique, autre tradition populaire en voie de disparition. Lamento per la morte di Pasolini. Te m'ha venuta a visitare. E leva le gambe tue da questo legno. Persi le forze mie, persi l'ingegno. Lui dici la notte che l'ho visto. Ivi di faccia la mia gioventù. Confessare.
può parlare. E non può, non può, può più parlare, può più parlare. Non può, non può, può più parlare, può più parlare. E la terra si mise a tremare, e il sole cambiava colore, e la terra si apriva in fessure, sotto i piedi l'asfalto bollire, e il sole cambiava colore, e le donne lasciavano i figli, e i figli crescevano soli, tremano e crollano i muri, e la morte chiama i più sicuri, e le radio parlavano sole, e il sole cambiava colore, e le strade si aprono in tanti sentieri, nascono i figli ma senza padre, con gli occhi già aperti e la bocca per parlare, la gente in silenzio a guardare. Cascano i musei, crollano le chiese, gli alberi si piegano e si lasciano seccare, le nuvole di piombo ci pesano addosso, le scuole pericolanti, morte, sangue, pianti, e non c'era acqua, solo un gran vento. La terra si spacca e noi ci stiamo dentro. E la terra si mise a sentire, il sole cambiava colore, e la terra si apriva in fessura, sotto i piedi l'asfalto bollire, il sole cambiava colore, il mondo ti vuole vedere morire. E le donne lasciavano i figli, e i figli crescevano soli. Senza casa, senza sposo, col coraggio nelle mani, sei una donna senza guardiani. Tremano e crollano i figli, e la morte chiama i più sicuri, e le radio parlavano solo, e il sole cambiava colore, e le strade si aprono in tanti sentieri. Ma senza padre. Non voglio, non posso, non voglio morire. Gli occhi già aperti, la bocca per parlare. Non voglio, non posso, non voglio morire. La gente in silenzio a guardare. Io devo cercare. E ballano le chiese. Gli alberi si piegano e si lasciano seccare. Addio, addio, amore. Un po' di piombo ci pesano addosso. Addio, amore. Scuole pericolanti. Parto, parto, parto. Morte, sangue, più. Fatto non so, e non c'era acqua, solo un gran vento. Andiamo, andiamo avanti. La terra si spacca e noi ci stiamo dentro. Parte non so, se riuscirò. La terra si spacca e noi ci stiamo dentro. Se riuscirò a tornare. Quand je pars, je suis très contente. Il y a deux jours, nous sommes partis de Rome, nous étions vraiment heureuses. Toutes les quatre, parce que c'est le moment qu'on parle, qu'on s'amuse, qu'on rencontre les gens. Même si c'est des gens qui, quelquefois, disent « Combien tu voulais ?» T'as dit 700 000, va te donner 350, faut même remercier. Tu comprends, ça se passe, hein, beaucoup de fois. On estime que ton idéal est à paye. Bon, la paye devient de plus en plus importante parce que, tu sais, chaque chose, moi je suis convaincue, idéologique est aussi économique. Moi je me suis aperçue de ça quand j'ai vu que je vis de ça. Tu comprends, j'ai nourri ma famille de ce travail-là, hein, beaucoup plus que de l'autre. Du travail du cinéma, parce que ça, oui, se fait quelquefois, la musique pour le cinéma, mais pas toujours. Tandis que ça, je sens que je le ferai toujours. Maintenant, facciamo le corna, va, pour être sûr, mais je sens parce que c'est la chose plus vivante, comprends, c'est la plus belle, en effet. Et tes enfants participaient au spectacle, après? Beaucoup, beaucoup. Quand est-ce que Sylvia a commencé Sylvia à chanter? A commencé, réellement, elle avait 8 ou 9 ans. Et puis, elle venait avec moi, ils venaient tous, mais quelquefois, elle s'endormait. Mais Francesco était toujours très présent, elle voulait m'appuyer, elle voulait... Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione. Tutti corrono coi megafoni in mano, richiamano, andiamo via Cassino. Compagni, da Fiorreggio tutto un campo minato, chi vuole si metta in cammino. Dopo un'ora quel treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione. A Napoli la galleria illuminata, vasta e sfacciata con la fermata. Il treno che pare un balcone, qualcuno vuol salire, attenzione. Non fate salire nessuno, può essere una provocazione. Si
più fuori con poi il megafono in mano e un piede sullo scalino. E gridano, gridano, quello che hanno in mente sono comizi la gente, senti una passa la notte con la luce, la ferrovia è tutta popolata, contadini e pastori che l'hanno sorvegliata col greggio e sparpagliato. La Calabria ci passa sotto ai piedi, ci passa dal tetto di una casa, una signora grassa fa le corna e alza una mano, e un gruppo di bambini ci guardano passare e fanno il saluto romano. Ma c'è merveilleux, ma pourquoi les quitter, les laisser à la maison? C'est pas possible, c'était un dimanche cette fois-là, n'est-ce pas? Ils vont à l'école avec une... Il n'y a pas toujours des enseignants qui sont sympathiques. S'il y avait une enseignante affreuse qui disait de ne pas faire les dessins que Sylvia voulait faire parce qu'il fallait faire les dessins que la maîtresse disait. Une chose affreuse. Alors j'ai dit non, c'est avec moi. Il faut qu'il voit ces choses. Parce que ces choses me font heureuse à moi, sûrement ça fera heureux eux aussi. Et alors, dès ce jour-là, ils sont venus presque toujours avec moi. Bien sûr, ils n'ont pas été beaucoup à l'école. Hein. Pas beaucoup. L'idée de non être jamais stata régulièrement. Est-ce que tu regrettes de n'avoir pas suivi l'école régulièrement ou tu as l'impression d'avoir eu une vie exceptionnelle, différente? J'ai l'impression d'avoir eu une vie exceptionnelle, diversa dagli altri. Sicuramente un po' diversa, sì. Différente, oui. Le regretter, non. Mais j'ai souvent rêvé d'une maison avec une cheminée, ma grand-mère assise devant, le chien, l'école et les copains. Una casa col camminetto, la nonna seduta davanti, il cane, la scuola sotto la casa e gli amichetti e basta. E quando cela arrivait pendant une semaine ou deux? Après deux jours, je voulais repartir. Due giorni volevo ripartire. Tu n'avais pas peur du public? No. Au contraire, si le public était restreint, je n'avais pas envie de chanter. S'il y avait 500 personnes, ça me plaisait. 500 persone di più, allora andava bene. Pour ta mère, chanter avait un sens. Pour toi, cela a eu un sens philosophique, politique? Aucun. J'y allais, c'est tout. Appelée dans une usine occupée, Giovanna Marini improvise un nouveau couplet directement lié à la lutte en cours. Ainsi va sa vie depuis 20 ans. Parce qu'elle est engagée politiquement, elle est membre du Parti communiste, et parce qu'elle croit avec ses amis à ce qu'elle fait, à son métier de cantastorie. Yeah.
Musicienne avant tout, Giovanna Marini continue à créer, à chercher, malgré les fatigues des meetings, des concerts, des voyages. Depuis une vingtaine d'années, Giovanna Marini, moitié romaine, moitié calabraise, parcourt l'Italie de long en large. Pendant longtemps, elle a chanté seule ou avec ses enfants. Aujourd'hui, elle partage son camion et la scène avec trois compagnes, comme elle les présente dans ses programmes. Auteur-compositeur, Giovanna Marini propose à la fois un retour aux origines du chant populaire et la recherche d'une musique nouvelle liée à la vie contemporaine qu'elle raconte et chante, comme autrefois le faisaient les cantastorie, les conteurs d'histoires qui... Vi volevo salutare, mi siamo molto grati, ma è buio e dovete andare. Figli, senza sposo, il coraggio nelle mani, è una donna senza guardiani, une femme sans époux, sans fils. Alors j'étais là à Zurich pour faire un concert et tout le monde
monde me disait, mais il faut aller voir les saisonniers, il faut aller voir les saisonniers. Il faut aller voir les saisonniers. Je pensais, mais qu'est-ce que c'est des singes qu'on va aux zoo regarder les saisonniers. Et on est allé regarder les saisonniers. A Zurigo non mi dice, vieni dagli stagionali, andiamo, andiamo a trovare. Come ci vedono arrivare? Se ne vanno mentre stavano a parlare. Eccoli, dice uno stagionale. Se ne vanno mentre stavano a parlare. Siamo italiani, vi vogliamo salutare. Italiani sì, ma di un'altra razza. Scusatelo un po' matto, scusatelo signora. Prego, accomodatevi signora. Scusate la baracca, scusate i letti sfatti. Scusate la miseria mia signora. Buongiorno, buonasera. E come ve la passate? Grazie, tutto a posto. È meglio che ve ne andate. Buongiorno e buonasera. Tornate per votare. Siamo tornati a Pasqua. Non si può più tornare. Buongiorno e buonasera. Sans maison, le courage dans ses mains. C'est une femme sans gardien. Elle fait peur, elle fait peur, elle fait peur. Fa' paura. Dovete sapere, io ho ancora da dire, non posso, non voglio, non posso, non voglio morire. Ulrike Meinhof, assassinata. Passer de village en village. Parfois, profitant d'une étape, elle retourne à la musique classique dont elle fut nourrie.